dilade singam jen de sala ke ala tene sa dan lam chama tar chim go do di ma to ke ta pe ma ro tene de wa chen la tene mulam ki to ki ki tu go ra mulam dim ba mulam ki to ki de re da le la bo le se su gi mulam ta me di ki ge ro di re Parce que pour les autres terres pures, ce sont des dimensions d'éveil qui requièrent d'avoir parcouru tout le chemin spirituel et d'avoir passé toutes les étapes, d'être vraiment arrivé au terme du développement spirituel, alors que pour renaître en Dewachen, il suffit d'en avoir l'aspiration et de cultiver ce chemin de l'aspiration. Ni avoir de sangoré, son mot de te casan mambo que je chère, du tango de ten tossing sel de bas, du niabade, son nom de top mambo sabas, du sombade, trop chanchu de semcheba, du shiva de ten malam dang, gave it sawa, semjetam jalan, gave it sawa moade, tishi de tanga, tene de wajela, ketugre, son mot. Ce qui va permettre de dire renaître en Dewachen, c'est de cultiver des prières de souhait pour renaître en Dewachen. Tene, pena, sonam di tsoksarna, sonam di tsoksarna, dans chaque vénimbo, je vois vénimbo, timo vénimbo, dikwa chaque vénimbo, tadu vénimbo, jesuira vénimbo, chaban vénimbo, chokur korakur vénimbo, lokte vénimbo, nyangele meda vénimbo, tesum vénimbo, mo vénimbo, Donc, pour pouvoir arriver en Dewachen et en faire et avoir ce chemin d'aspiration qui nous permet d'arriver, il faut le lieu, donc la représentation du lieu, premier point. Deuxième point, cette énergie qui va nous propulser, qui est nos propres mérites. Donc on a besoin d'accumuler des mérites, on a vu ça hier, parce que si on est quelqu'un de négatif qui se complaît dans les actes non vertueux, ben vous savez bien qu'il n'y a qu'une seule possibilité au niveau karmique, c'est de reprendre naissance dans le monde inférieur. Et donc il va falloir accumuler des mérites, hein, c'est, c'est une des conditions pour venir prendre des Dewachen. On a vu qu'une méthode pour accumuler des mérites, elle se trouve dans la prière en 7 branches, et que chacune de ces branches permet d'accumuler des mérites, et qu'on a condensé dans la prière en 7 branches, qu'on trouve dans les différentes pratiques que nous faisons, pratiques formelles, tout ce qu'il faut pour accumuler des mérites, en diminuant ce qui est, par exemple, l'orgueil, le grâce aux prosternations, la mesquinerie et l'attachement grâce aux offrandes, les buts erronés grâce à la confession, etc., tout ce qu'on a vu hier, jusqu'au doute qu'on peut contrecarrer grâce à la dédicace. Et de cette façon, on remplit la deuxième condition qui est d'avoir des mérites, d'avoir accumulé des mérites. Ta dinala chasang sangyorta dinala sama yorta elate batande so. Et dans cette prière que nous avons commencé à étudier hier, qui est la longue prière pour renaître en Dewachen, composée par Chagma Ragasi, enfin je ne sais plus quel nom, Yarfi, de manière très développée, c'est cette branche de l'accumulation de mérite. À travers cette prière de souhait, aujourd'hui, nous allons voir la question de renaître en Dewachen à travers les tantras, à travers le Vajrayana, avec le texte de, qui s'appelle, c'est ce texte donc, dont on a tenu dans ses mains, pour renaître en Dewachen, qui est une pratique tantrique qui s'appelle la roue du véhicule de la pratique du champ de grande félicité. Donc, vous pouvez prendre ce texte maintenant, c'est celui-ci qu'on va étudier. Du Tantrayana, on ne va pas pouvoir en une journée le voir en détail. De toute façon, ça n'aurait aucun sens. On va juste voir dans les grandes lignes. Il commence
probablement, ça dépend de la version que vous avez, mais en page B, dans la version numérique que j'ai, qui s'appelle Prière du chant de félicité, appelée, ouvrez les guillemets, amoncellement de nuages de bénédiction. Ça, c'est un texte qui est composé, vous voyez, c'est écrit à la fin, c'est-à-dire chaque Ashri lui-même. Et c'est une prière qui s'adresse aux trois kayas d'Amitabha. Alors, on va sauter la partie vraiment préparatoire avec les prières préparatoires et on va rentrer dans le texte lui-même, page 2A. Et maintenant qu'on est dans la pratique à proprement parler de ce texte pour renaître en Devachan, on a les premiers principes qui sont posés, principes fondamentaux, qu'on appelle les trois points clés au niveau technique, les trois points sacré qui authentifie notre pratique. Le premier point, c'est de développer l'esprit d'éveil. Donc, c'est ce qu'on a tout au début avec la prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil et les quatre pensées, quatre attitudes incommensurables. Pour poser le premier point technique clé qui fait de notre pratique une pratique authentiquement spirituelle. Tenada. Chabru tsik dila khande yena mena yang chabru du soso namju nyamnyong chi gorwa soso nyamnyong chi tene chabru la khande samlo tang di ta na ti gor pesa dina khande du dina shi do go ma re sti ta ta sanga chi to gor ba tene chab sanje shodang ge ne sumla chi chab tene ne ba nang gi chabru la lama yedam khando chu chong nang gi chab Tene sumba sangwe chabrala, tsa dang lung dang tigli sum sinda, tila chi nang sangwe chabrala di sim nang la hago ba chene. Tene chabrala muma di rangi sim di redu sam, ta rangi sim di rangshin di, ta nechura di chabrala muma redu sam, tene di tone kunju sumla chabsumla. Chabsum drogo di, drogo ya tanda khare sena, chabrala labja sungo ya. Chapson Rosane, the Papango Yore, Kiwa Duko Yore. Tene Sanje Chibinisuna, Bishop Chibuyore. Tene Chapson Rona Kariore, said the Chapter of Payanala, Nyeson Sumla Kikamare. Tene Tori Miller Machitokore, said Tene Chihabo, Tambo Chapter of the Tene on the Sarsum Dungays. Tout au début, le texte commence par la prise de refuge, et comme tous nos textes, c'est la première des pratiques qui nous introduit pour atteindre notre objectif dans la pratique. Et le texte va énoncer le lieu de refuge, comment nous nous réfugions dans l'éveil. Et là, quoi que dise le texte, en fait, nous devons appliquer notre propre refuge, notre propre pratique du refuge, l'expérience que nous avons acquise, la capacité que nous avons développée au niveau où nous en sommes, nous, dans l'instant, et pas essayer d'appliquer ou de comprendre. Parfois, les textes sont très ésotériques, c'est du Vajrayana, c'est très élevé, et si on se contente de ces termes-là, en fait, c'est pas à notre niveau, donc on va rien faire. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est à notre niveau d'après notre propre expérience, et ça de le faire, de prendre refuge, de la façon dont on est capable de prendre refuge et de faire cela, de se réfugier dans l'éveil à notre niveau. Sachant qu'il y a différents niveaux, classiquement on présente trois niveaux de refuge, le niveau extérieur, le niveau intérieur, le niveau secret, le niveau ultime. Niveau extérieur, le refuge, ce sont les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma, la Sangha.
Donc ça, c'est notre refuge au niveau extérieur. Au niveau intérieur, c'est le guru, les yidams, les dakini. Au niveau secret, ce sont les canaux subtils, les souffles subtils et les énergies subtiles, ou les bindous, tiglés. Et puis, au final, de manière ultime, le vrai refuge. Le vrai refuge, c'est la nature de notre propre esprit. Tenez. Donc, on prend refuge de la façon qui est la meilleure, la plus profonde dont on est capable, au niveau où on en est soi-même personnellement, en récitant le texte. Et prendre refuge, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'engager. Et notamment s'engager à appliquer des principes qui sont de s'abstenir de ce qui est négatif, des actes non vertueux, et d'accomplir les activités vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit. Donc là, on commence par cet engagement, avec également, associé au refuge, le fait de respecter et de vénérer les trois refuges, de montrer du respect pour les trois refuges. Et grâce à cela, ce que cela permet, c'est que cela nous protège en tant que refuge, cela nous protège des renaissances inférieures dans les mondes inférieurs, et cela nous garantit une renaissance dans les mondes supérieurs. Deso, tenez, si ici la tienne gore, kassan lapson, kenza tig la zane ni la lebre, sum la legresse, tenez, kamba toza sum si legresse, en dansing, tambo, chi chabro la tene, nangi chabro, top gore. Nangi chapter latene, Sangwe chapter, Lepkova. Sangwe chapter latene, Tene Ransem Tomba. Tene Vesel Chargeship, then Tokova, Direta. That chapter the Chila Menala years at the Naman Dirandra, Tenezia. Vous vous rappelez, hier j'expliquais comment en fait le chemin était progressif et interdépendant, c'est-à-dire grâce. On progresse d'étape en étape et le fait de monter sur la première marche permet d'accéder à un niveau supérieur qui permet d'accéder à un niveau supérieur. C'est comme quand on monte dans un bâtiment. Pour arriver au quatrième étage, il faut absolument traverser le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Et bien là, c'est pareil. On commence, premier niveau, la pratique du refuge au niveau extérieur qui nous permet d'accéder au refuge au niveau intérieur, qui nous permet d'accéder au refuge au niveau secret, au niveau intime, et puis qui nous permet d'accéder au refuge ultime, le vrai refuge, qui est l'état de clarté de notre esprit, la grande union, la réalisation de la grande union. Teneda, Dhuvan Ravachilena, Chabdo Sumnane Kechishukare, Sidi, Teneda Chukunjuti Kechishukare, Sumnane, Lam de Chukunjuti. Alors, quand on parle des trois joyaux en tant que refuge, qu'est-ce qui est le plus important dans les trois joyaux? Si c'est la question qu'on se pose, le point le plus important, c'est le dharma, c'est la pratique. L'enseignement est là. Quand on parle de dharma, de pratique en tant que refuge, il s'agit de notre propre entraînement spirituel. On s'entraîne à la conduite éthique ou la discipline morale. On s'entraîne à la concentration, l'état de méditation. Et on s'entraîne à développer notre sagesse. Et bien sûr, si on peut ramener ça au principe de base, qui est de s'abstenir des activités non vertueuses, d'accomplir les activités vertueuses et de maîtriser notre propre esprit. Donc on va prendre refuge tous ensemble en joignant les mains, réciter ce quatrain de refuge qui est à la page 2A et non seulement réciter mais surtout intérieurement
invoquer notre propre expérience de refuge et mobiliser notre capacité intérieure à prendre refuge. On vient donc de finir cette pratique de prise de refuge. Comme je le disais, prendre refuge nous permet de nous libérer de renaissance dans les mondes inférieurs et nous permet d'atteindre le monde supérieur, en particulier d'obtenir la précieuse existence humaine grâce à laquelle nous pourrons continuer notre chemin spirituel à travers l'écoute, la réflexion et la contemplation, la méditation. Et de cette façon, nous pourrons progresser. Mais ce n'est pas un chemin, le refuge seul, qui permet d'atteindre l'éveil complet. Pour atteindre l'éveil complet, il faut développer l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Teneda, changchu topgona, inji minji, tegwa chemo ke semche gogore, sedi, tene, chabyu ke lhaso ke dhulna, ngansukita, semche sedi, dombashu garo, promisro. Di, tene dirida, semche sedi, semche tamche dengo garo, dila, semche la ningji ke goro, dila, tene yudhi menga dhun sepecha na sungutwa, semche tamche rangi pama imba ngoshe go. Tene Pamadisu Kadin Chimba Shehud. Tene Kadin the Log Nijalgo Shehud. Kadin Log Jati Kadis Shagar Sidi. Tene Jamba Ningje Laksam. Tene Laksam. Tene Janchukisem. Kantar Judy Menga Dingi Tone. Tewa Chimbo Janchu to same Jehore. Ensuite, donc, pour pouvoir atteindre l'éveil complet, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'embarquer dans le grand véhicule, le Mahayana, et pour ce faire, développer la bodhicitta, la pensée de l'éveil. Pour ce faire, devant les êtres éveillés, donc devant notre arbre de refuge ou notre lieu de refuge, nous allons prendre cet engagement d'atteindre l'éveil, prendre le vœu de bodhicitta,
de Bodhisattva. Et pour développer et tenir ce vœu, il va nous falloir développer de la compassion. De la compassion pour tous les êtres. Il y a une technique parmi les différents moyens pour développer l'esprit d'éveil, la technique qui s'appelle la technique en 7 points, qui sont un enchaînement de causes et d'effets. Premier point qui consiste à reconnaître que tous les êtres ont été nos parents dans nos vies précédentes. Ensuite, reconnaître la bonté de ces êtres, puisque nos parents sont des êtres bienveillants, en particulier notre mère, donc reconnaître la bonté des êtres pour nous. Troisième point, désirer rendre cette bonté, rendre notre dette, et à notre tour faire preuve de bonté, qui va engendrer de la bienveillance pour les êtres, qui va engendrer de la compassion. Donc tout ça, ça se développe par cette technique de contemplation qu'on est en train de résumer là, et qui va amener donc cette pensée supérieure, cette intention supérieure d'amener les êtres à la libération de toute souffrance et à l'éveil, et donc développer l'esprit d'éveil. Pena taksin nyambas komoda rang dang semji chipa di labdi tine rang de yulo di meba dogoro rang chipu yapu kose de dela tangbo taksin nyambas niba taksin jewa se di taksin rang la dewa yena tonglen do rangi dewa de semje na te semjin gi dunga de rang la le na samne di tu samya di taksin jewa ji Tā sūmbā dāgālī xēnchē bāsē dī, tēnē rāngī sēmchē dī kēchī mō, rāng kāwān rō nāndō, nyāwān rō nāndō, tēnē rāng kārchē nāchē dūngāni yōng nā yōng, sēmchē dāmchē dūngāni mā yōng, sāngchē kāwān tōm nā, sāmbā dī dāgālī xēnchē bās, dī sūm dī pē kēchī mō rē nō. Une approche aussi pour développer l'esprit d'éveil, cette bienveillance, cette compassion, c'est de considérer autrui. Et de se considérer soi-même d'abord pour commencer, et de voir que nous n'aimons pas souffrir, nous souhaitons être heureux. Nous souhaitons le confort et le bonheur, et nous voulons éviter la peine et la douleur. Et réaliser que pour autrui, c'est pareil. Les autres aussi ne veulent pas souffrir, les autres aussi veulent être heureux. Et donc, nous-mêmes et les autres, nous sommes égaux. Premièrement, c'est le premier... travail à faire, c'est d'arriver à considérer les autres comme notre égal, comme n'ayant pas moins droit au bonheur que nous, et n'ayant pas moins droit de ne pas être, de ne pas souffrir que nous. La deuxième étape, c'est d'échanger soi-même avec les autres, c'est-à-dire l'autre a droit au bonheur, et bien moi aussi j'ai droit au bonheur, et donc je peux me mettre à sa place. Et je peux faire un échange entre moi et autrui. Il y a une pratique dont vous avez déjà sans doute entendu parler qui s'appelle Tonglen, qui consiste à échanger notre bonheur avec celui d'autrui, échanger la souffrance d'autrui avec notre propre bonheur. Donc ça, c'est au-delà d'égaliser, c'est échanger. Et puis, on peut aller encore plus loin en développant notre capacité vers l'éveil de Bodhisattva, qui consiste à considérer les autres comme beaucoup plus importants que nous. Que notre propre bonheur, notre propre souffrance, peu importe. Ce qui importe, c'est le bonheur et la souffrance des autres. Donc, quoi qu'il nous arrive, même si nous devons aller en enfer, le plus important, c'est le bonheur des autres, c'est de libérer les autres de la souffrance. Et de cette façon, on a 3 étapes d'un développement également, d'un grand amour et d'une grande compassion. Dila teba chimbu changchu chudu semche sedi dila shukido ta di tsa chimbarido changchu chudu semche bala tene changchu togido sangche gido di maje na sangche togumido tene ta changchu semche sedi pe tsa chimbu et c'est de cette façon avec ce développement
de ces qualités en nous, de cette capacité en nous de nous dédier au bien d'autrui, que nous atteignons ce que l'on appelle la pensée de l'éveil ou l'esprit d'éveil, qui est un esprit qui aspire à l'éveil pour le bien de tous les êtres, qui aspire à l'éveil de tous les êtres. C'est l'esprit d'éveil pour l'éveil suprême, ou pensée suprême, un état d'esprit suprême. Et sans cet état d'esprit, sans la bodhicitta, hein, cet esprit d'éveil s'appelle littéralement en sanskrit, c'est la traduction de bodhicitta, l'esprit d'éveil. Sans cet esprit d'éveil, pas d'éveil possible, absolument pas possible. On a besoin de cultiver, de développer cette pensée, cet esprit d'éveil pour atteindre l'éveil. Pour ce faire, pour développer cette pensée de l'éveil, on prend un moment de pratique qui vient après la prise de refuge. On va le faire tous ensemble. C'est donc le 4-1 qui suit à la fin de la page 2 à la début de la page 3. Et donc, on développe cette pensée de l'éveil en pensant à tous les êtres, en développant notre compassion avec les différentes méthodes dont on vient de parler. Et on va réciter le 4-1. À ce moment-là, donc, on est en présence du lieu de refuge, des objets de refuge qui sont témoins de notre engagement. Et pour cette prise d'engagement, on n'a pas besoin de joindre les mains, on peut poser les mains dans notre giron et simplement faire la pratique en récitant et en développant la compassion. Donc,
Nji menji chamru semje re de nan kesho de semje de kogu dwa. Tene chalwa che. Tene da sumba yela dunga pyo kogu dwa. Chabdo ki chilab thobya, thekwa chimbo semje ki di yongya la yang sonam ki sokde kogu dwa. Dewa chenne kya la sonam chok kogu dwa. Tene chabdo semje di so nyamlin di so yongya la yang sonam kogu dwa. Khasan shusunga. Sonam denbi miki chedon jikten kar yona yang sonam yona chamo chokare. Sayadwa. Tenzang sonam sakwa di kecho shirata, di papang kiwa chup sayadwa. Tenzang, teneda, yelan dumba de liguyore, escasan yelan dumba cola, ketamu sherva, perna pesadinala, si non wate, dewa sedon, che, sedi, dewa chingi, ten so shindis de la samutangura. Si non wate, sedi, casan lapsasan, sanje yobame, pe, kodomago, renashing, tene, esu chenes, indu chanan torti, tene, rijabo, rijanashing. Tene, so de chou, tene, corla, tambo, java, sanje, java, sanje, sept, tange, simba, mambo, million, java, mambo, connichu, ne chou pas. Ti, java, n'entu, tache, mambo, connichu, giva. L'abdidan, de watch, en la quête, en la tama, rabjum, rito, religion, rito, chugo, chugo, nomja. Tadi, Kasang dewa chingi kola ten chokshin ki selta waraba pe dirang re nangwa taye jawa sedang je niyanan rachan pakwe chonam la sedi ta kasang kecham mwushi raba di danda samlo tang chokso ya raba yinla dimba pisaga yul di dewa chingi shingam singi tege ta dila yinla dimba pigo di dina dudiji mati ya raba chakchal, chubul, migi, lenam shak sedi yinla dimba sumdi dina doa chakchal wa Chibabilwa, Migiwe Lenam Shakwa, Sum, Tsikjidegi, Sum. Tene Shiba, Jesu Yerang. Jesu Yerang. Tene Ngaba Chuji Kolo Korwa Korwa, Dupa Nyange Mita, Dapol Shuksande, Dimba Gewe Tzawa Changzu Chimbo Ngo Sedi, Da Tsiknangla, Dudiji Kandaji Yonamena, Tene Khasanganzo, Lopchong Jesha Chidi, Yalan Dimba Di Samlotang. Ensuite, ce qu'on a, vous voyez, c'est la prière à sept branches dont on a parlé hier, qui va nous permettre d'accumuler des mérites et que l'on fait justement en présence de ce champ d'accumulation de mérites. Qui est notre objet de refuge et qui a été le témoin de notre prise de vœux de Bodhisattva. Et pourquoi est-ce qu'on fait maintenant cette prière en cette branche? C'est parce qu'on a besoin de mérite pour avoir la bénédiction de notre refuge et on a besoin de mérite pour développer notre esprit d'éveil et qui nous amène jusqu'à l'éveil. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. On en a déjà beaucoup parlé hier, donc on ne va pas trop en parler maintenant. Surtout qu'ici, on a une version très condensée, en fait. On a juste une évocation de la pratique que nous devons faire, nous, mentalement, pendant que l'on récite. À savoir, premier vers, Shri, devant Amitabha, les Bouddhas et leurs fils, donc, Namataye Gewa Sichidam, c'est ce dont on parlait hier, on a Amitabha et les Bodhisattvas. Bodhisattva, c'est les fils des Bouddhas. Chenrezig à droite de Amitabha et Vajrapani à gauche de Amitabha, ainsi que les nobles Shravaka, les pratiques à Bouddha et les Arhats. C'est ce dont on parlait donc hier, tout un entourage de Bodhisattva et d'êtres éveillés, y compris les grands pratiquants du Hinayana qui ont atteint la libération, les Arhats, qui sont sous forme de moines, donc on visualise tous les bodhisattvas et aussi une assemblée de moines avec leurs robes monastiques jaunes, safran. Donc une immense assemblée d'êtres très évolués spirituellement qui nous servent de champ d'accumulation. Très bien, merci beaucoup. Et donc ça, c'est ce que l'on dit avec les deux premiers vers.
Et ensuite, vous voyez que tout le reste est simplement évoqué avec un mot à chaque fois, qui évoque chacune des différentes pratiques. Donc, j'attends une seconde parce qu'on est en train de changer la couleur. Tenez. Donc, la première simplement dit « je me prosterne ». Donc, je me prosterne devant ce champ d'accumulation de mérite. Je fais des offrandes à ce champ d'accumulation de mérite. Je confesse mes actes négatifs devant ce champ d'accumulation de mérite. Je me réjouis des vertus, etc. Toutes les autres, vous voyez qu'elles sont à peine évoquées. Donc, c'est ici, elles y sont, mais le texte est très condensé. Mais nous avons vu hier tous les détails de ce que ça implique. Hein. Nous, pendant que l'on récite, on doit mobiliser notre mental pour faire la pratique. Donc, tout en contemplant, tout en réfléchissant à ces pratiques, on récite tous ensemble. Google du ngak thane kek chama me baso ne nyamlin jesa ki di singam lo so gyo ba tan be mendala de der da 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 ensuite dans la mesure où nous sommes maintenant dans une pratique du Vajrayana, nous rentrons dans des procédures tantriques du Vajrayana. Et une procédure qui s'appelle techniquement torma des démons ou torma de ce qui crée des obstacles, torma des obstacles. Alors, pour comprendre ce qu'on va faire, il faut comprendre que pour atteindre l'éveil, il faut se débarrasser des forces négatives, sinon il n'y a pas moyen. Se débarrasser des démons dans tout genre,
On a vu ça récemment, c'était il y a quelques jours, l'anniversaire de l'éveil du Bouddha Shakyamuni. Donc, j'ai beaucoup parlé de comment le Bouddha atteint l'éveil, des grands actes de sa vie, des grandes activités qu'il a eues. Et avant d'atteindre l'éveil, dans les heures qui ont précédé l'atteinte de l'éveil, il a dû vraiment faire face à des grandes résistances, des forces négatives, qu'on appelle donc les démons, ces résistances et ces forces négatives, techniquement, enfin dans le jargon traditionnel. Et c'est après avoir vaincu les démons qu'il a atteint l'éveil. Il n'y a pas moyen d'atteindre l'éveil en s'acoquinant avec les forces négatives. Il faut les vaincre, ces forces négatives, il faut s'en défaire. Et donc, ici, le principe est le même. Nous allons maintenant rentrer dans une pratique pour atteindre l'éveil complet. Et première chose, c'est dégager les forces négatives qu'on appelle gek en tibétain. C'est ce qui crée des obstacles. Parce qu'avec les obstacles, on ne peut pas atteindre l'éveil, il faut vaincre les obstacles. Et là, quand on parle de geck ou de démons ou de forces négatives, il y en a bien sûr de toutes sortes de différentes. Il y a ce qui existe à l'extérieur et qui a des formes, il y a ce qui est sans forme, il y a ce qui est nos propres perturbations, nos propres résistances, etc., nos propres afflictions. Et de tout cela, on va maintenant régler le compte en faisant une opération à l'aide d'une torma, qu'on appelle, torma c'est une offrande physique qui est préparée en amont quand on fait un rituel collectif. Et donc première chose, on consacre avec une aspersion, donc c'est pour ça qu'il y a marqué on asperge, d'où la torma des démons. Et ce qu'on va faire avec cette offrande que l'on a consacrée, c'est, vous voyez, il y a marqué « Je suis le grand et puissant Yoka, assemblée des démons, être pernicieux, esprit nuisant, ces forces qui font obstacle, emporter cette torma qui gratifie les sens. C'est-à-dire, je vous fais un cadeau, je vous prends en considération, donc fichez-moi la paix. Prenez ça et dégagez. Partez sur l'autre rive de l'océan, c'est-à-dire vous dégagez complètement de cet espace-ci. Et si jamais vous ne le faites pas, attention, je développerai une forme très courroucée, très puissante pour passer au moyen renfort. Donc ça, c'est la procédure que l'on suit avec d'abord aspersion de l'offrande de la torma des démons, puis que l'on dédie avec le quatrain qui suit. Et à la fin, il y a marqué en italique, réciter le mantra puissant, jeter des graines de moutarde et brûler la résine de goule, c'est une instruction pour, quand on est en collectif, dégager de manière, par la force, dégager ceux qui n'auraient pas écouté. Si vous n'obéissez pas, je passe à la force. Et tout ça, pourquoi? C'est pour pouvoir établir un espace de pratique qui soit un espace pur, un espace d'éveil. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On pose, on prépare l'espace d'éveil, le champ pur dans lequel nous allons faire la pratique d'éveil. Donc récitons cela tous ensemble. Om Dhyana Paya Dhyana Om Dhyana Bhagavan Bhedra Hum Hum Pes Da Gek Gek Disuttarma Khinna Sama Dho Tsarva Tene Tsam Chu Se Te Shri Sisam Pema Hiruka Se Adi Gek Dho Tsane Manchu Nyamlin Jesa Di Tsangma Sogata Sis Da Nyamlin Jesa Di Da
dans un moulin courant de bâte, c'est un peu ma héroque, et si je me rappelle. L'ordin gaiti miamis, tene, l'ordin gaiti miamis, perna, singam nasi du togarva, tiga nasi, deva chasing am la hassan, tiga nasi miam, miamis, nonsing, counter, gaiti sanet, tene, te, tsam chigipe, de tsamasuga, kodu y si simple long. Cargent tsamasuga, c'est dit. Donc, après ce quatrain, avec toute la pratique qui va avec, la visualisation, etc., on pense que les forces nuisibles sont parties. Elles ont pris l'offrande qui gratifie les sens, la torma, et ont quitté les lieux, et puis qu'il ne reste plus rien de négatif. Et le quatrain suivant s'appelle, vous voyez, le cercle de protection, c'est-à-dire qu'on va poser une délimitation autour de notre espace de pratique, une délimitation bien sûr spirituelle, donc au niveau de notre esprit, pour protéger cet espace, que ce soit un espace pur, un espace propice à l'éveil. Et donc le texte dit, à partir des émanations de grande sagesse de Pema Iruka, dans les trois mondes, il n'existe plus de démons et d'esprits nuisants, plus rien de négatif, plus rien qui cause obstacle, pas même le nombre, il n'a même pas évoqué tellement il n'en est pas question. Et le samsara et le nirvana, c'est-à-dire toute manifestation, tout est le domaine de la grande sagesse. Et de cette façon, nous, en contemplant, en méditant cela, nous établissons dans un espace qui est protégé, un espace comme une retraite. Nous avons posé les limites de notre retraite spirituelle, de notre espace de pratique spirituelle. Je suis héroïque. Je suis un héroïque. L'ordre est gagné. Denenda gek saman dotsar gek dotsar di anzo nyamlen disadila changma ya sochar ta gar gore si di jin beb se di ta anzo changma dela nyamlen jese dela sanjaya pa meda la so ke tene anzo la chila bhogyo ba anzo ke anzo nyamlen chingen da anzo desa te anzo nyamlen chingen la tene Cilap kau biar le, wang kau biar le, disur itu ada ambu pipa resin jahter, jila cinbeb segitu. Et puis nous continuons dans cette préparation des conditions de la pratique avec ce qui suit. Vous voyez qu'il y a marqué descente de la bénédiction, c'est-à-dire que dans cet espace qui est maintenant libre de toute négativité, de toute force négative, de tout démon, de tout esprit nuisible, nuisant, nous allons faire venir et s'épancher la bénédiction que l'on va donc invoquer dans cet espace. Sur nous-mêmes, sur le lieu et sur nous-mêmes les pratiquants. Jinbib, c'est un jour qui est Nyamlin Jisa Sasha Dang, Nyamlin Jingin Chola, Sanjay Bamegi, Jinjilab Gidwa, Jinjilab, Tene, Wang Gurgidwa, Kain Sena. C'est donc la bénédiction qui vient du Bouddha de lumière infinie que nous invoquons. Elle descend sur nous, les pratiquants, sur nous tous ceux qui nous engageons dans cette pratique-là maintenant, et la bénédiction de Amitabha et de son entourage. De sorte que nous puissions mener la pratique. Je
Laetitia, je ne sais pas si tu peux mettre Dupana sur un autre réseau ou bien si vous êtes deux sur le réseau parce que le son est très très mauvais, l'image est achevée et les mots sont achevés aussi. Donc, dans cet espace pur de pratique que nous avons préparé avec la descente de la bénédiction, nous allons maintenant disposer des offrandes, ou consacrer plutôt les offrandes que nous avons disposées, comme dans un mandala, sur l'autel. Nous avons préparé toutes sortes d'offrandes et nous allons maintenant faire descendre une bénédiction sur ces objets, sur ces substances d'offrandes. Donc, c'est ce qui est énoncé à la suite de ce qu'on vient de réciter. Il y a l'énoncé tout en haut de la page 4, tout en haut à droite, qui annonce le 4-1. Avec germe, niam, kam, qui sont quatre, trois syllabes germes. Jam, la syllabe germe du feu, yam, la syllabe germe de l'eau, kam, la syllabe germe du vent. Tout est purifié. Et toutes ces offrandes que nous avons disposées, pardon, que nous allons nous représenter, tout est purifié, comme il est dit dans la saisie. La saisie réaliste, c'est-à-dire la saisie par notre esprit qui donne une réalité aux phénomènes et aux offrandes et qui donc du coup les souille par un processus grossier de réification, de solidification. Donc cette saisie réaliste, c'est des concepts, tout cela est purifié dans la vacuité. L'énergie de la conscience jaillit de l'espace, de la vacuité, forme des nuées d'offrandes extérieures, intérieur et secrète comme un trésor de l'espace, c'est-à-dire quelque chose d'infini, le trésor de l'espace. C'est des offrandes qui remplissent l'espace et un trésor d'offrandes sans souillure. Tenez, quand on quitte ces endroits, tu vas plus là, son homme qui sort ça là, tu vas plus là. Tenez, nous sommes jamais chez vous, dans ici tu veux chez vous, ni là, son des sous sommes notre nature. Mūsū shāmbati tāndā yōbachi. Yīchī tūrbati tēne māngbō tūli tā. Tēne khāsāng nōshī tāshī tāchī jāsī nā chūn nā dūn tsē chē sēndō. Tēsā sāma sēmgī tūlnē chā chēmbō. Nāmkhā chāpa nōshī. Sēmgī tā tīngin tīngi tī tūrō. Ndē rōwa. Nous avons vu hier qu'il y avait deux grands. Sākmē nāmkī tsē Nam que Dieu c'était frigo de comme dans
자침. Oui, tout assuré, hein, le son et l'image. On a parlé hier des offrandes, on a vu qu'il y avait en gros deux grandes catégories d'offrandes, celles qui sont concrètes, matérielles, physiques, qu'on dispose sur l'autel et que l'on présente concrètement, et puis celles que l'on imagine, celles que l'on va émaner, littéralement on dit émaner par l'esprit. On a vu que ça inclut des offrandes fabuleuses ou des offrandes divines, les substances de bon augure, les objets de bon augure, les attributs du roi universel, etc. Donc, en se rappelant cet enseignement d'hier, ici, quand on fait, on prépare les offrandes qui vont être offertes ensuite dans les rituels, on recourt à ces deux types d'offrandes, celles qui sont disposées sur l'autel et celles qui vont jaillir de notre conscience. Tenez une dernière mot, Sama. Ramyam gama mandze nando tambarayza tonye ile rimbe zara chena sawa achebe dze zamen namge zendo jara sarwa bunza ala. Deneda de Ramiam kam de peshuk chimberitoa, me dam chu dam lung riba. Tene hasing unto kezeshe yare, perna, nimachik unto zambuling kalbadi, meva dogore, sete meva kandis dogore, sidi, tene me gitene, tsig dogores, kala nima dimshan tsig yores, ramt, yam letene. Tik 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 saju roto di tene lungi va torsha gyores. Torsha ju di yang shule me tsamaso di tene zambolin sama tongba chando gyores. Sedi da di ramyam kham di peshuk chimbara va. Tene ramyam kham di gi ngunzingi namtok chima di zi tamche tene meba tangtuwa di so samu tangwa. On a parlé ces derniers temps, on évoquait l'apocalypse, c'est-à-dire le fait que ce monde, cette terre un jour sera détruite dans un phénomène cosmique inéluctable qui est que la terre va brûler d'abord, elle va être cramée et c'est donc un feu entre guillemets apocalyptique. Dans la tradition, dans les textes traditionnels, on parle de 7 jours de fournaise destructrice, et puis ensuite un vent apocalyptique, le vent de la fin des temps, en tout cas pour la vie sur Terre, pour la planète Terre, et ensuite des tempêtes océaniques qui vont finir par tout détruire, tout ce qui pouvait rester. Donc, le monde va être anéanti par la force des éléments naturels. Et ici, on recourt à cette force des éléments naturels, Ram, Yam, Kam, qui sont les syllabes germes du feu, du vent et de l'eau, pour anéantir et détruire, annihiler toutes les souillures, tout ce qui entache les offrandes dans l'espace de pratique dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, comme le dit le texte ici, c'est la saisie réaliste, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'accorder une réalité aux phénomènes, et en particulier aux offrandes que nous présentons, c'est-à-dire notre pensée aussi, notre pensée dualiste qui distingue le sujet de l'objet, toute solidification, toute saisie, toute crispation sur tout phénomène. Tout cela est brûlé, balayé, lavé à grande eau et il n'en reste rien, de sorte que toutes les offrandes, toute chose devient pure et devient objet d'offrande.
당무무시무마딜레비아무시무마라 당보 닥치 니바 듄치 테네 닥치 듄치 담치 셈바라 이시 셈바기 진지라야 세디 당 듄 담치기 할제바 세디 당무시무마디테르다 딜랍데 당보 닥치디 라니 제네시 차시바 곰 Tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, depuis les premières invocations, le refuge, jusqu'à maintenant, la consécration des offrandes, tout cela, c'est une préparation, ce sont des pratiques préliminaires à la pratique principale. Et la pratique principale commence maintenant, donc à la fin de la page 4, avec la génération des déités, des divinités, où on va se visualiser soi-même, donc c'est la génération de soi-même en tant que déité, et en face de soi, la génération de la déité en face de soi. Donc on commence par se visualiser soi-même comme la déité, et c'est le processus que l'on va faire en s'accompagnant du texte qui suit immédiatement, maintenant, pour donc développer, donner naissance à cette forme de déité. Maga randa ninji kunla chap, sedi tene tumbani chang charade, anzuge rangshin chik, tene rangsimge rangshin huesalwa, sedi yorwa. Ti rangshin digi, tene maga randa ninji kunla chap, se sungju ye mepe mandawe, tense, te tabu ninji ge rangsu digi, tene mendope mandawe, tenla, igir shik. Tene yonsu chirwale, sedi tene tongba nida ba chur, tongbe ngangle, tene ngantuga rangshin, tene wesalwa, ningji ga rangsu tegi, tene tangbo mendo pema chikom, tigana dawe ten chikom, tigana yige shiik chikom, shidi sabun chinesi sabo, shidi yonsu chirwale, kei chiki tene tuji shimbo kwa chinesi kuduk karpo. Kasar trime tangita, shal chik chakshi, longji zoku kichin, chakshi tangbo tamo jar. Ishin jit tamo jar nang nurbu kudu kinchung namba. Tene oogi chani ki shiik chingwa, tene mendo pe makapar namba. Nangla rangshin matu kichasin tar sedi, tene tere tabu. Dedabu siki, dedabu chenden dedabu takse di yang kandichi gogore se nangla rangshin mandu banangi jasin tabu uchi. Nangla rangshin mandu jasin tar denechi gogore takse chene sik. Sebu gogu yore te, sebu di takwa da dene maima sunye meba banangi jasin tabu, melong nangi sunye tabu, chun nangi tawa tabu, sal rangya. Donc, on commence par cette première opération spirituelle qui consiste à se visualiser soi-même comme un être éveillé. Et pour cela, pour que ça ait du sens en termes d'éveil, il s'agit de ne, encore une fois, pas réifier quoi que ce soit, pas se dire c'est moi, cette personne-ci, avec mon corps et avec tout ce qui me constitue, qui constitue mon champ d'expérience de moi-même. C'est ça qui devient Chenrezig. Non, tout cela n'existe plus. On part de l'état de pureté primordiale dans laquelle il n'y a plus de concept, dans laquelle il n'y a plus de dualité depuis toujours. Cet état primordial qui est primordialement pur. Donc,
C'est pour cela que, en général, avant de générer la déité, on récite un mantra, le mantra Om Sobhava Shuddhasarva Dharma Sobhava Shuddhang, qui signifie que tous les phénomènes, à commencer par moi-même, tous les phénomènes sont purs, sont dénués de, sont libres de toutes les fabrications, de toutes les solidifications. Donc, on part de cela ici avec la syllabe Shri. On part de cet état de réalisation dans lequel il n'y a plus de fabrication, il n'y a plus de dualité. Et dans cet espace dans lequel samsara et nirvana sont égaux, l'égalité du samsara et du nirvana, comme dit le texte ici, depuis toujours sans concept, c'est un espace primordialement pur, pur de conceptualisation, c'est-à-dire pur de dualité, rayonne sans interférence, en compassion omnipénétrante. C'est-à-dire que dans cet état-là, on ne peut rien saisir, il n'y a rien. Mais ce n'est pas un rien avec un néant total, il reste l'état de pureté de notre esprit, l'état de clarté de notre esprit, et cet état de clarté, il se manifeste sous la forme de compassion. Donc, c'est une compassion qui est omnipénétrante, non conditionnelle, absolue, et non sans interférence, c'est-à-dire il n'y a rien qui fait qu'elle aurait des limites ici ou là, et que tout d'un coup, il y a, pour une raison ou pour une autre, il n'y aurait pas de compassion. C'est une compassion absolue, sans interférence, omnipénétrante, qui vient de notre état primordial, de notre réalisation, de notre sagesse primordiale. Dans cet état de sagesse primordiale, dans cette réalisation de compassion, cet état de compassion, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lotus sur lequel se trouve une lune. Donc ça, c'est on donne une forme à cette compassion. Maintenant, elle va se manifester pour devenir la déité. Cette union dans la non-dualité, dans l'état du monde, se manifeste sur un lotus et une lune, la grande union indifférenciée dans laquelle il n'y a pas de dualité, se manifeste la syllabe Shri, qui est la syllabe germe de la déité. Et donc, on continue notre processus contemplatif, toujours dans cet état de réalisation sans saisie, sans dualité, compassion sans entrave, sa syllabe Shri se transforme instantanément en grande compassion, la forme même de la grande compassion, ce qu'on appelle en tibétain Chenrezi, le noble Chenrezi. Et ça, c'est soi-même, ce qu'on avait identifié comme soi-même, qui maintenant se manifeste par ce processus de non-dualité et de compassion omnipénétrante, qui est la manifestation de la clarté naturelle de notre esprit, se manifeste la forme de Chenrezi. Donc cette forme qui est donc la manifestation de la sagesse et de la compassion, c'est rien d'autre que ça, ce qu'on appelle déité, c'est la sagesse et la compassion. Corps blanc lumineux, comme une conque immaculée, un visage, quatre bras, revêtu des attributs du Sambhogakaya, c'est-à-dire tous les ornements, les soieries, etc. C'est la forme que prend notre compassion. Maintenant, c'est une forme du Sambhogakaya. Et etc. Dans ces deux mains, première main jointe, il tient un chitamani, c'est le joyau qui exauce tous les souhaits. Et dans ses autres mains, il tient un chapelet, un rosaire, un cristal, et dans l'autre, un lotus. Pardon. Bien qu'apparent, donc bien qu'on ait cette manifestation qui est Chenrezi, blanc, etc., qui se manifeste, il est dépourvu de substance comme l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant il y a une forme que cette forme, il faut retomber dans la dualité, la solidification. C'est une forme manifeste mais dépourvue de substance comme l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à saisir, il n'y a rien qui puisse être auquel on puisse s'accrocher. C'est aussi comme
un reflet dans le miroir. Dans le miroir, il y a une forme, mais elle n'a pas d'existence en elle-même, par elle-même. Ou comme le reflet de la lune sur l'eau, il n'y a pas de lune dans l'eau quand la lune se reflète dans l'eau. Et de même, il n'y a pas d'arc-en-ciel vraiment existant dans le ciel. C'est juste une manifestation, une vision dénuée de toute existence intrinsèque. C'est cela, Tianrezi, nous nous manifestons sous, enfin nous, le nous, il n'y a plus de nous, mais ce qui se manifeste est dépourvu de substance, bien qu'étant apparent, comme un arc-en-ciel. Nanzo kawa yore, sen nanzo danda, pena sanje ilam nan dogo yore, nanzo cholamba dogo chirawa. Cholamba indi, tene meba meba chive sa se to. Sanje isal dogo yore, sa dango tobi yamara, sa meba chamsi danda. Tien zang nanzo meba ilam la re, te dabu tene mendo pema da vejin wo yakbo chido komtu marwa. Tene chene si, rangarani chene si yin samba chamba tere. Mayim badi. Tegi chenesi dengo or dene cherim dakchi di dhige or es. Tegi kechi materchi. Pa shakshi. Ben lelam di mara. Lel hul yojin. Chenesi dren samum che. Rangi chenesi ngosum du yin. Yimba la yimbar. Chenesi ngosum du. Yimba la yimba ngoshi zam. Di dhige or va. Dela dene dakchi rim. Quand on fait cette visualisation, cette genèse de la déité, soi-même en tant que déité, c'est important que ce soit un processus spirituel. Donc on fait ce travail sur l'esprit et c'est un travail qui se fait dans, sans saisie. Donc il ne s'agit pas d'essayer en se contraignant, en tombant dans l'effort en fait, dans la contrainte, de se dire on les détails de les perles de son rosaire, les lotus du pétale, le pétale du lotus, enfin toutes ces, il faut pas que ça devienne quelque chose qui est compliqué et qui fait que l'esprit, notre esprit tombe dans une forme de solidification, d'arriver à un résultat, de se contracter, de se tendre. Non, il faut que l'esprit reste tranquille, au repos. On fait comme on peut. On n'est pas encore arrivé à des niveaux de développement spirituel qui font qu'on peut faire ces visualisations de manière excellente et parfaite, et c'est normal. Et pour nous, le chemin, à notre niveau, c'est un chemin qui toujours d'accepter le niveau où on en est et de travailler au niveau où on en est. Et à notre niveau, c'est de l'imagination, de l'aspiration. Voilà, je m'imagine que je suis Tianrezi blanc avec des soieries et des attributs, mais n'en faisons pas quelque chose qui sort du cadre de notre pratique spirituelle et qui deviendrait un exercice qui aurait rien à voir avec le niveau dans lequel on est. Il faut toujours être authentique et se placer au niveau auquel on est, travailler à ce niveau. Donc juste cette intention, un petit effort d'imagination et d'aspiration. Tene de tabo, dakchi de yabo, sel tab tsane, da niba, dun gichirim gongo yerba, selvi de namke kalundu, chitin de me, kachap gangwevi, pema karba, bum, dama, bum dalwe, sting to the vichonamoto city, da rangi dungi namas, rangle to chichi, tene kamba de nena yavana sima in bachilo, namatambala, tene namsiapo, yuvekamla, dig. Rang dungi namaria to chikanga tene mento pema tama bum don de ma tigala da vichin kurniakawa ti kanga tene gombo pame pena tindu de nyaka tindu tennis vame gombo yava de la pame dinchiki la sanje pame yenayang sanje pame de Namba Sanje Yoba Meyinaya Ngo Rangi Tsagalama Yimba Chik Dereta Sangha Ki Lugla Kante Chine Tsagalama Ki Rang Shinte Tene Sanje Yoba Me Tsagalama Ki Rang Shinte Tsagalama Gombo Yoba Me Es Tene Kudok Marbo Pe Marito Tene Shal Chik Chani Lungze Tulku Vichalo Leta Chogo Namsum Salwa
Chanyinyapshak Une fois qu'on a bien établi cette déité à laquelle nous avons donné naissance, Chenarezi, donc soi-même, maintenant nous procédons à ce qu'on appelle la génération ou la genèse, génération en face de soi, c'est-à-dire visualiser la déité en face de soi, c'est-à-dire l'éveil en face de soi qui va prendre maintenant la forme d'Amitabha. Alors, pour ce faire, le processus méditatif, c'est de contempler, comme le dit le texte, aux premières lignes, deuxième vers, donc au milieu de la première ligne, page 5, l'immensité de l'espace visualisé face à soi. Maintenant, notre attention se porte sur cet immense espace en face de soi, qui est rempli de nuages d'offrandes variées. C'est là que va se trouver Amitabha, donc on remplit l'espace de toutes sortes d'offrandes pures et multicolores, excellentes, etc., qui remplissent l'espace. Au milieu de cet espace rempli d'offrandes, de nuages d'offrandes, de nuées d'offrandes, dans son milieu, il y a un lotus blanc à 100 000 pétales déployés. Au-dessus de ce lotus se trouve un mandala de lune sur lequel réside notre gourou racine indifférenciée du protecteur Amitabha, c'est-à-dire qu'il y a en face de nous le Bouddha lumière infinie, Amitabha, rouge, lumineux, etc., comme ça va être décrit, mais indifférencié du gourou racine, c'est-à-dire que la forme de, en face de soi, c'est la forme du Bouddha Amitabha. Mais en réalité, l'essence de ce que nous visualisons, c'est le gourou racine. Dans ce sens-là, on dit qu'il s'agit du gourou racine indifférencié du protecteur Amitabha. Attendez, donc voilà. En tibétain, il n'y a même pas marqué qu'ils sont indifférenciés. C'est le gourou racine est Amitabha, Amitabha est le gourou racine. Et donc, il est de couleur rouge, il se tient en posture monastique, de la manifestation extérieure du Nirmanakaya, c'est-à-dire comme un avec les deux mains posées l'une sur l'autre qui tiennent le bol monastique ici en lapis lazuli, et sur sa tête la protubérance sous les signes de l'excellence d'un être éveillé, la protubérance au-dessus de la tête, la roue du dharma sous les pieds, etc. Il est paré des 32 signes excellents et des 80 marques majeures. Tenez. So it then will chop some tamjito, song jazz and papu in Gendina, Lama yedam, Kondo Chichon so. So her bame kalatin der sal, said he. Then a Kasan Kejaman, she says he. Then a Bella on the Dewachin la Kiagi, Jushin on it, then Choshin Selta, said the Diran Redo. Then a Sanjay Bame Kora, Chipo Maimba. Then a Esuchenes, end of Better Pani. Tene janju sempa nyewe se shinche, tene tako la sanje dan janju sempa pape kentun, tene nyente trachimba tsamche samlo tangudwa, tinje la ta, ten chokshin seldwa, ta gano na khasan kesha mongbo sheche pendogurwa, ta tene chi gomgudwa, tinje la dewa jingi shingam seldwa, khasan sungso chi nangadwa, tinje di dewa jingi shingam rao, jene gomgudwa re, dewa jingi shingam di tinje re sungso wa, Tangan tu sewa tawegi, yuten leci rendo. Tiba tu je, dene sum dua tawegi, dakce, dunce, dene damsik sempa sedi, dene cowi ne sum dorci sum jengi, oma onda shi yitzen bali vezir pama chur. Eşi sembe sonu cendan chur sedi, dene damsik sempa, dunce ge raco ge, ku sum tu oma hong shi yitzen bali, Wezir mabu trene, tene sanje gishin hamdam yene, eshi sembe sonam chen jangs, tene chen gitsik, shi nochu deshin pema kiwene, sidi, damsik semba la,
Donc là, maintenant, à s'occuper de ce qui est en face de soi, on génère la déité en face de soi, ça rejoint entièrement ce dont on parlait hier, vous vous rappelez, quand on parlait des quatre conditions pour renaître en Dewachen. On disait que la première condition et la plus importante, c'était de se représenter Dewachen avec le Bouddha de lumière infinie. Eh bien, c'est cela maintenant que nous établissons, c'est cette représentation dans l'espace en face de soi, parce que c'est à cela que nous allons nous relier dans cette pratique. C'est à Amitabha dans le champ pur de Dewachen. Et c'est pourquoi, donc, page 5 et page 5A, il y a la description d'Amitabha. Et puis, page 5A, deuxième ligne, on décrit tout le champ pur avec tout l'entourage d'Amitabha au-dessus de lui, deuxième ligne, au-dessus de lui, au-dessous, oui, je suis occupée, merci, vous pouvez poser, oui, merci beaucoup, au-dessus de lui, au-dessous, dans toutes les directions cardinales et intermédiaires, on visualise les Bouddhas, les Bodhisattvas, la noble Sangha, les Gurus, les Yidams, les Dakinis, les protecteurs du Dharma et leur entourage, innombrables comme des nuées, des nuages qui couvriraient le ciel. Oui? Je vous dis, ça va. Et donc ça, c'est ce qu'on en parlait hier. Vous vous rappelez qu'on disait que c'était le point clé, ce qu'on appelait le support ou l'appui, ce sur quoi on va s'appuyer pour aller en Dewachen. Eh bien, c'est ce qu'on doit faire. Amitabha à sa droite, Chenrezi à sa gauche, Vajrapani tout autour, les Bodhisattvas, et comme ici il est dit, les Bodhisattvas, la noble Sangha, et les Gurus, les Yidams, les Dakinis, les protecteurs du Dharma. Et toute cette terre pure qu'on décrivait hier, tout cela en face de soi, immense, comme on parlait de vastitude ou d'immensité de la terre pure de Dewachen, eh bien, c'est le moment maintenant dans la pratique de poser cette représentation de Dewachen dans l'espace en face de soi. Ça, c'est ce qu'on appelle la genèse, la génération de la déité en face de soi. C'est le terme technique. Dans les pratiques du Vajrayana, on parle de génération de soi-même, génération en face de soi. Donc, on sait ce qu'on vient de voir. Et puis, on parle aussi d'un processus dans lequel on va distinguer ce qu'on a visualisé et le fait que ce soit effectivement des manifestations, la présence même de la conscience primordiale, de l'éveil. Et cela, on le fait par ce qu'on appelle les Dhammasikpa et les Yeshepa. Vous avez le terme Yeshepa dans la traduction première ligne, page 6, vous voyez tout à la fin de la première ligne, il y a marqué « invitant les assemblées des divinités de sagesse Yeshepa ». Divinités de sagesse qui vont venir bénir, consacrer cette visualisation que l'on a faite par les deux premières phases de génération en face de soi et soi-même. Et pour cela, on revient à la page 5A, dernière ligne, dernier vers, Om Ahum, vous voyez en phonétique, ça commence là. Et donc la traduction dit au front, à la gorge et au cœur d'Amitabha, les trois vajras sont marqués. Les trois vajras, c'est simplement les trois lieux sacrés qui se trouvent au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du cœur. Il y a cette marque de l'éveil qui est la syllabe Om, la syllabe A, la syllabe Hung et la syllabe Shi. De ces lettres racines irradient d'innombrables rayons de lumière dans les champs des 10 directions de l'espace qui vont inviter les assemblées des divinités de sagesse et Yeshepa. Alors on va reprendre tous ensemble ce processus de génération à partir de la page 4, dernière ligne, après, au moment de la syllabe chez. Dambo Tavche, Denen Tunche,
Et on va procéder d'abord à la génération de soi-même, puis la génération dans l'espace en face de soi. Dini la rangi sem gi sam lo tang sha chi yin zang tam chi se ba se yo ro de ne de la yin ji min ji yi shi se ba gi jin ji la ko yo ro de yin zang de na la da dun tam chi se ba la che ba so et comme ce sont pour le moment des opérations mentales de visualisation de génération de contemplation on appelle ça les non pas des entités ou des déités de conscience primordiale, mais comme elles sont pour le moment fabriquées, on les appelle les damtipales, les entités ou les déités du Samaya. Et puis ensuite, on invitera les entités de sagesse primordiale. Donc, à ce stade de la récitation, on a donc posé, généré la visualisation de soi-même comme déité dans l'espace en face de soi et avec la lumière qui émane des syllabes gerbes om ahom, nous avons invoqué, nous avons appelé les entités de sagesse primordiale, les Yeshepa. Et donc la suite va consister à procéder à l'arrivée de ces déités que nous avons invitées, qui vont venir et qui vont venir se fondre dans ce que nous avons visualisé.
Donc, l'étape, c'est d'abord de réciter l'invitation. Donc, page 6, à la fin de la première ligne, vous voyez l'intitulé qui s'appelle l'invitation. Et il va suivre un quatrain d'invitation avec un mantra d'invitation. Puis, page 6A, vous avez au tout début la requête de demeurer. Une fois qu'on leur a dit de venir, ben on leur dit de rester. Et ensuite, on va leur présenter des offrandes extérieures, intérieures et secrètes à partir de la dernière ligne de la page 6A. In the jambo, she no so de pe ma ge lo ne zor do ye je kom bo ma me de je ja. On va s'arrêter là pour ce qui est des instructions, des explications sur le texte pratique et sa signification. Je vous propose, puisqu'il nous reste un peu de temps, de faire une session questions-réponses. Donc, je vous invite à poser des questions. Donc, j'ouvre une parenthèse sur ce qui a été dit ce matin ou sur d'autres points liés au dharma, à la pratique, pour profiter de ce moment avec Dupena, ce moment tous ensemble. Donc, la parole est à vous. Vous pouvez activer en bas à droite. Oh, il y a plein de questions.